Parce que tu ne peux pas être une femme, tu te dis d'après toi, star. Et puis ton nez est toujours rempli de mauve. Aïe, c'est quoi ça? Même mon bébé Nathan, même qu'elle a là, même là, il ne supporte pas mauve dans son nez comme ça. Oh, franchement. Ma chérie, peut-être qu'elle entend les traiter, tu sais pas. Ça fait 20 ans, mauve est dans son Ah, nez. mais il y a des gens qui ont des maladies qui traitent, ça fait Ça fait 50 ans, 20 ça finit ans. pas. Pourquoi tu veux critiquer les autres là? Soigne-toi d'abord, toi. La vie, c'est Bon, comme ça. Mabio quand même, faut pas abuser. Mabio quand même, c'est une fille qui est très gentille, franchement. Elle est très Mon adorable. frère, elle est gentille avec toi parce que toi, tu se connais, t'as ton intérêt là-bas. C'est tout. Hein? Non, elle me donne aucun intérêt. J'ai aucun intérêt particulier sur Mabio. Je dis la vérité, c'est une fille qui est tellement bien, tellement gentille. Quand elle parle, elle amuse beaucoup la galerie. Elle est décontractée. Arrêtez souvent. Souvent, moi, c'est ça que j'aime pas trop. C'est ça que j'aime pas trop chez les francophones. On est trop sur la critique négative. Mabio, c'est une fille qui parle de rien. C'est une fille Je dis que ça soit que j'ai qui parle de maintenant. rien. Pourtant, ton panel là, c'est fait pour critiquer les gens négativement. Non, Ton non, panel là, non, c'est non, la Lyonne, tu fait racontes pour n'importe quoi. critiquer. Toi, Serge, tu es mal vu sur TikTok. Au lieu, moi, je t'ai dit ça. Ah Non, bon. mais parce que, Qui en m'a fait, ordonné vous, ce votre que tu as problème. fait là? Attends, influenceuse, pardon, donne-moi 2 minutes, s'il te Oui, plaît. ok, En fait, vous, votre pardon. problème, vous connaissez pas la critique. Pour vous, si vous aimez une personne là, dès qu'on dit quelque chose, dès qu'on dit. Par exemple, toi, tu fais une critique là, tu attaques son physique. Tu dis par exemple que son nez est rempli de mauve, ça c'est une attaque physique. Mais moi par exemple, Oui, si tu bien es écalante, sûr. attends ma chérie, pardon, tu vas parler. Que si tu es écalante, parce que je sais que tu es une écalante, ça c'est sûr. De toute façon, tu parles là, tu es écalante. Donc pour vous, dès qu'on parle de Ah bon? éca, que ça soit en bien. Rien dans mon train là. C'est Bon, écalant dans les dents. tu dis je suis mal vu par rapport à quoi? La J'ai vie, fait quoi? J'ai fait la quoi et bouche puis je suis mal ouverte. vu? Lionne, attends, Il dit tu que as ton parlé. panel là, c'est fait pour ça. Pour Attends, Jean, tu racontes des attends, il va te conneries. répondre. Mon panel est fait pour parler des guerriers du jour. Quand tu es un guerrier, on parle. Moi, personnellement, j'attaque personne sur son physique. Si des gens montrent qu'ils attaquent les gens sur le physique, c'est leur problème. Parce que j'estime que chacun est responsable de ses dires. Voilà, madame. Je n'ai jamais insulté quelqu'un sur mon panel. Jamais. Donc, quand tu dis mon panel est mal vu déjà, je pense pas que tu viens beaucoup sur mon panel. Mon panel, je donne l'opportunité à tout le monde de parler. Maintenant, toi, ton cas là où tu viens de parler de ma bio là, c'est une attaque physique. Tu es une femme, tu sais pas de quoi elle souffre, tu sais pas de quelle maladie elle souffre. Tu dis son nez est rempli de mauve. Tu penses qu'elle fait exprès pour avoir le nez rempli de mauve? Tu sais pas si elle est à l'hôpital, si elle a un problème de santé. Mais vous aimez dénigrer les gens. Non, bref, j'ai pas envie de parler. Laisse tomber, continue. Vas-y, Serge, vas-y. Serge. Donc, parce que la lionne a parlé, donc elle est calandette, quoi. Donc, c'est les Oui, calandettes qui aiment insulter. Mon Tu dis quoi? oh, C'est toi, c'est vous qui Serge. n'aimez pas qu'on parle de Bipolarité, là, Eka. c'est toi, Eka fait Serge. le buzz, vous n'aimez Là, on pas va parler parler d'elle. d'Eka. Nous, on parlait de tout. Oh, On mon parlait Dieu. d'Emma Louest, de Céline Elle Dorcas, d'Emmanuel est Keïta, sur et puis TikTok, de là, tout. Serge. Non, faut pas faire ça. Donc, quand on parle de quelqu'un d'être, en même temps, c'est calandette. Non, pas faire Non, ça. ce que je Nous, veux on est en train dire, de c'est parler que. Non, de tout le monde. ma chérie, ce que je veux dire, tu Tu n'as vas pas parler compris. mal de Je quelqu'un, dis, tu vas je voir, dis. ouais. Mais ta confiance, C'est ça, la c'est déjà seule star tranquille. quand tu parles d'elle là. Dors. Emma Dors Eka, tranquille. c'est la seule star quand tu parles d'elle. Tout le monde te tombe dessus. Tout le monde te tombe Non. dessus. Si, N'importe c'est. quoi. Est-ce que quand nous on parle de Tu veux Emma parler Louessa, de est-ce que les lui? gens viennent nous Ma Dieu est insulter? gentille. Elle est Tu gentille. sais Elle hier est gentille. les Elle panels fait qu'ils ont projet fait? célébrité là. Elle n'a pas payé. Tu Elle sais n'a les pas panels payé qu'ils ont son fait hier? projet privé. Tu Mais sais quand les tu panels dis qu'ils ont fait hier? aujourd'hui Nous, on que a vu c'est les lui panels la qu'ils ont cible fait. là, elle n'a pas soigné mauve qui est remplie dans son nez Oh, comme ça. arrête là, arrête madame, tu es Elle suffisamment n'a grande pas soigné pour dire des ça. trucs des enfants, Elle pardon, n'a pas allé à la arrête. pizza. Il y a un bon médecin là-bas. Il va opérer ses bronchites Mais là. c'est pas ton problème. Peut-être que c'est ça que son gars aime. Problème. Si toi tu Oh, comprenais arrête. la vie des gens, c'est leur problème. Si Serge, le cas c'est attends, leur problème. Serge, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as dit? Qui Je t'a vous dit de parle, ne s'il pas vous parler plaît. d'Ekala et d'Emmanuel Keïta? Quand tu es pas d'Emmanuel Keïta, c'est qui tu invites pour parler d'elle? Regardez-moi, elle On t'appelle de ne bipolaire, pas parler d'elle. Hein? mauvais. Vous On allez t'appelle parler dit de d'une ne pas personne parler. de Ça 31, dépend. de 30, de Tu 38, sais que de tu les 39. invites pour venir la dénigrer. Voilà la grande Mais c'est sœur. sûr qu'il veut. Attends, ma sœur, la Lyonne. Attends, je vais lui répondre. Attends. Voilà ma grande sœur, elle a mis les photos là. Est-ce que quelqu'un est venu insulter quelqu'un? Non. Mais toi, quand tu mets photo de nulle personne là, tu as des personnes que tu choisis, tu les invites spécialement pour venir dénigrer Emmanuel Keïta. Tu trouves ça normal? Il faut me répondre. Tu trouves ça normal? Quand on aime une personne là, Je peux quand te on parle répondre. mal de la personne là, ça fait mal. Non, mais je peux te répondre, Donc arrête sinon de je dire descends que du non. panel. C'est normal, ils vont faire panel sur toi. Tu mérites. Tu mérites. Parce que ce que tu as fait là, ça se fait pas. Attendez, attendez, il va parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui Non, s'est moi, passé déjà, là? je vais vous dire. Je vais vous dire. Je comprends que vous êtes des fans. Je comprends que vous aimez votre star. Mais je vais vous dire, en Qu'est-ce qui s'est vérité, passé? quand on ne parle pas d'une. Quand on parle d'une star, c'est parce que on accorde l'importance à cette star. Emmanuel Keïta, là, c'est notre soeur. Moi, Serge Tano, je ne vais jamais l'insulter parce que c'est une femme. Je ne vais jamais l'insulter. Et moi, de nature, Ça je n'ai fait jamais pique insulté quelqu'un. un tu. Pardon, Ça fait laisse-moi pique parler, la un Lyonne. tu. Laisse-moi Ça fait parler, s'il te pique un plaît. tu.
Laisse-moi parler, s'il te plaît. Reste poli un peu. Apprends quand même à respecter les gens, s'il te plaît. Voilà. Donc, moi, Emmanuel Keïta, là, c'est ma soeur ivoirienne. Je ne vais jamais l'insulter. Mais si elle fait le buzz d'actualité, si elle fait le buzz, on va mettre là, les gens vont venir renchérir. Je peux reconnaître qu'il y a des gens que vous n'aimez pas qui montent sur mon panel. Mais moi, mon panel, là, je donne l'opportunité à tout le monde de s'exprimer. Même toi, Nadia, tu parles aujourd'hui, là. Avant, tu étais ami avec mon copain, tu m'appelais mon grand frère, mon cher. C'est parce que j'ai laissé des gens parler, donner leur avis, des gens que tu n'aimes pas. Voilà pourquoi tu es un peu fâché contre moi. Non. Mais mon grand frère, ne dis pas. Non. Attends, il va te répondre d'abord avant que tu aies continué. Moi, je déteste personne, hein, parce que moi-même, je m'aime moi-même. J'aime tout le monde. Tu as le droit, c'est une star. Personne ne te dit qu'il ne faut pas parler d'elle. Mais quand tu mets une photo de nulle personne, dis-toi que ça peut être ta soeur ou la soeur de quelqu'un ou la mère de quelqu'un. Ceux qui viennent parler là, moi je vais les connaître ou pour les détester. Moi je déteste personne. Mais moi je sais pas. Mais c'est la manière. Non, c'est la manière. C'est toujours pareil avec qui n'est pas bien. On peut pas discuter. Tu peux parler. On peut pas discuter. Moi je t'insulte pas. Est-ce que je suis en train de t'insulter? Tu peux parler d'elle, mais il faut les dire. Faut pas. Ils vont les manquer de respect. J'ai toujours dit sur mon panel. Sèche, là, on a traité la femme de maudite. Ils ont traité Emmanuel Keïta avant qu'il soit de maudite. Il était là. Je te jure. C'est sur son panel. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous êtes plus maudit qu'elle. Voilà. C'est pas bien ce que vous faites. Non, Léon. Vous n'êtes pas sorti d'une femme. Léon, faut te calmer. Faut te calmer, Léon. On ne parle pas de toutes ces femmes-là. On ne règle pas les histoires, n'oubliez pas. Voilà. C'est parce qu'il y a changé mon nom. Je peux partir maintenant, s'il vous plaît. Attends, Miss Toti, attends. Il y a changé mon nom, ça cause ça. Sinon, c'est influenceur 2.0. C'est moi, mais je ne sais même pas pourquoi ça allait changer. Pour mettre ma date d'anniversaire. Voilà ça. Pardon. Ici, là, on ne vient pas insulter quelqu'un de maudit. Serge, c'est mon collègue. Il fait ce qu'il veut sur son live. Donc, s'il vous plaît, pardonnez, dosez un peu. Je ne sais pas, on dirait que vous avez fait un live sur lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, franchement. Apprenez, le seul conseil que je peux vous donner, apprenez à vous contrôler. Vous, les fans d'Emmanuel Keïta, apprenez à vous contrôler parce que vous êtes dans le déni. C'est une femme qui a besoin qu'on parle d'elle. C'est une excellente star. Elle fait du bon boulot. Moi, personnellement, je l'aime. Mais vous ne comprenez rien. Vous êtes dans la... Pour vous, quand on parle d'Emmanuel Keïta, c'est forcément négatif. On ne doit pas parler d'elle. Pour vous, moi, Serge Tano, sortez-moi une vidéo où j'ai insulté Emmanuel Keïta. Sortez-moi une vidéo. Si c'est le cas, je vous présente mes excuses là, directement. Mais on ne t'a pas dit c'est toi, mon frère. On dit mais pas les gens viennent toi. Parler, les gens viennent parler. Mais moi, je ne peux pas contrôler ce que les gens disent. S'il te plaît, attends. Ils ont mis dans les commentaires, ils disent que tu as traité un cas de maudite ce samedi là. Bon, qui sorte la vidéo où moi je dis ça? Qui sorte la vidéo? On enregistre tout sur TikTok, sortez la vidéo. Vous voyez, c'est comme ça que vous mettez les gens en palabre là. Vous mettez les gens en palabre pour rien. Non. Moi je suis monté le jour là. Je suis monté, mais tu ne m'as pas laissé parler. Je t'ai dit, tu peux parler d'Emmanuel Keïta. J'étais plusieurs fois oui, laissé le parler. Le jour là, j'étais là. Oui, mais la dernière fois, j'étais là. Il dit, ah mon frère, tu peux parler d'elle, mais ne laissez pas les gens la dénigrer comme ça. C'est ça, il y a une autre dame qui est venue. Je parle plus d'elle, c'est fini. Ça, c'est ton problème. Est-ce qu'elle t'a appelé de parler d'elle? Mais c'est moi qui décide de qui je parle. Alléluia. Voilà, donc il faut parler d'elle. On te dit, ceux qui viennent parler là, il faut leur dire de ne pas parler. Je ne peux pas sélectionner les gens qui viennent parler. Tout le monde est libre de parler. Est-ce que tu ne comprends pas? Oui, tout le monde est libre de parler, mais quand tu vois quelqu'un manquer de respect, tu descends la personne. Oui, ma soeur. Oui, Nadia, c'est oui, ma soeur. Qui a parlé de cas là-bas? C'est qui? Quand il a fait son live, là, il a appelé les mêmes personnes. Watakolob ou bien quoi là? Sylvia, chef Adama. Voilà, tu comprends, non? Voilà. La personne qui a été un peu sage là, c'est Jietok. Sinon, le reste là, parce qu'elle a fait une conférence, elle a annulé. Ils ont dit quoi même le mot là même là? Elle est la seule femme sur la terre à annuler une conférence. Que c'est un échec. Voilà, c'est pas maudit, mais on dit c'est échec. Voilà, les mots là, qu'est-ce que c'est échec? Il dit, mais quelque chose elle a fait. Elle dit, j'annule. J'ai fait un mois prochain. Est-ce que ça là, c'est un échec? Moi, je ne comprends pas. On t'a pas de ne pas parler d'elle. Mais parler un peu avec le respect. Voilà l'autre aussi qui sort là-bas, qu'ils n'ont qu'à faire. Elle vous a dit la dernière fois. Privé. Elle vous a dit la dernière fois. Guette privé là. On va aller faire quoi? Guette privé. Hein? Toi, tu es un grand frère. Il faut être là pour donner des conseils. Les femmes là sont fatiguées. Les femmes là, elles sont fatiguées. Quand il devient ma boule. Quand il s'agit de Emmanuel Keïta, il devient ma boule. On n'a qu'à laisser même ma soeur, c'est pas grave. De toute façon, moi, tout ce que je peux dire là, on n'a qu'à laisser les femmes là tranquilles. Elles sont fatiguées. Elles ont assez prouvé. Elles n'ont rien à prouver à qui que ce soit. Excusez-moi. Oui, je vais parler. Je donne la parole à Miss, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, Miss, vas-y, depuis cela. S'il vous plaît. Oui, vas-y, Miss.
Je disais, en fait, je vais m'adresser à Monsieur Serge, en fait. Panel, ah, ben, ici, panel, là, mais, ici, là, c'est pas, il y a c'est pas un règlement de compte. Serge, j'en fais pas encore. Si ton panel, non, on est en train de parler, non, j'ai la parole. Si ton panel, les gens qui sont là-bas, c'est comme si eux, ils sont trop innocents, en fait. C'est-à-dire, eux, c'est eux seulement qui disent la vérité. Les autres sont des faux, en fait. C'est facile pour eux de critiquer les gens. Eux, ils sont trop parfaits. Ça, franchement, c'est pas madame. Mais c'est qui parle? C'est Miss Toti qui devait parler, mais c'est pas moi qui parle. Mais là, c'est qui parle actuellement, là? C'est Madone qui parlait. Ah, Madone, oui, tu dis quoi, Madone? Elle a fini de parler. Mon collègue. Monsieur, si je vous ai manqué du respect. Si je vous ai. Attendez, pardonnez. Si je vous ai manqué du respect. Si en parlant d'Emmanuel Keïta, je vous ai manqué du respect, je voulais vraiment m'excuser auprès de vous. Vraiment, je voulais vraiment m'excuser auprès de vous. J'espère que ça ne va plus se répéter. Si je vous ai manqué du respect à travers Emmanuel Keïta, si vous n'avez pas aimé ma manière de traiter le dossier Emmanuel Keïta, je tenais à m'excuser auprès de vous. Et franchement, c'est vraiment sincère. Je ne veux pas rentrer dans des discussions, ça ne sert à rien. On est tous ivoiriens, la Côte d'Ivoire nous appartient. On doit tous se souder pour aller de l'avant. La prochaine fois, je vous dis ici, la prochaine fois, quand il aura le sujet Emmanuel Keïta, comme vous ne voulez pas que certaines personnes parlent sur son affaire, le jour où il aura le sujet Emmanuel Keïta, qu'il y a des personnes que vous n'aimez pas, je vais les faire descendre. J'ai compris le message, je tenais à m'excuser auprès de vous. Non, tu n'as pas besoin, non. Tu n'as pas besoin de les faire descendre. Je dis juste le respect, c'est tout. Non. Tu as juste le respect, c'est tout. Non. Voilà, tu dis le respect, on n'a qu'à la respecter, c'est tout. Sinon que, il y a... De toute façon, moi, quand on parle de trucs, moi, je quitte, je bouge, je reste même pas quelques temps même. Influence. C'est qui parle là? C'est Miss Toti depuis, il n'y a pas parlé. Oui, Miss Toti, vas-y. Il y a dit, il y a quelqu'un qui m'a appelé 18 avril, pardonnez aux influences. Il a changé mon nom. Donc, je sais. Comment on appelle ça, même? Serge a présenté ses excuses. Mais ce que moi, je voulais lui dire, là, c'est pas une histoire d'Emmanuel Keïta, c'est pas une histoire des calendes, c'est pas une histoire de trucs. En fait, là, le véritable problème, là, c'est que quand tu crées un contenu et que par ton contenu, les gens passent pour insulter une certaine personne, tu es aussi responsable que, en fait, même si tu n'as pas insulté. Mais du moment que tu es le canal par lequel les gens passent pour dénigrer ou insulter une personne, c'est comme si tu avais insulté. Pas indirectement, pas directement, mais indirectement. Mais comme tu as présenté tes excuses, on suppose qu'une faute à avouer à moitié pardonnée. Maintenant, étant donné que nous sommes dans un débat et qu'il faut revenir sur le sujet, il ne faudrait pas qu'on se déconcentre. Serge a dit tout à l'heure à Lyon que ne faut pas qu'elle insulte Mabio parce que Mabio, c'est une personne gentille. Bon, tu sais sur quoi tu te bases pour dire qu'elle est gentille. Nous aussi, on sait sur quoi on se base pour dire certaines choses. Mabio, à la base, j'entendais pas le nom, franchement. Je voyais une femme assez en chair qui vendait des thés. Mais je passais rapidement, je prêtais pas trop attention. Et cette femme-là, elle a commencé à avoir plus d'abonnés dès son clash avec Sacha et Sam. Ses abonnés ont triplé depuis ce clash-là. Et c'est moi, en partant chercher qui est Mabio qui fait palabre avec toute là. C'est là que j'ai découvert cette dernière. Et j'ai vu qu'elle faisait des vidéos qui faisaient assez rire. Donc, je me suis abonné à elle par son humour dans un premier temps. Et elle s'est elle-même autoproclamée influenceuse. On ne lui a pas demandé quelque chose. C'est elle-même qui s'est autoproclamée influenceuse. Une influenceuse qui a pour fan de la vague de 12 à 20 ans, 25 ans, tout au plus, ça ne dépasse pas. Elle n'a pas de contenu. Excusez-moi, je ne veux pas pousser quelqu'un. Ma bio, bon, il y a des personnes qui disent qu'elle est partie de rien. Je ne peux pas soutenir cette thèse parce que je ne sais pas. Peut-être comme vous la connaissez, vous savez qu'elle est venue, elle est partie de rien. Serge, s'il vous plaît, il y a le bruit de casserole derrière, vous pouvez muter votre micro. Il faut faire ça doucement, il ne faut pas casser le bibi du bébé. Donc, comme je disais tantôt, c'est toi qui peux dire qu'elle est partie de rien, elle est devenue quelqu'un, rentrée ici, sortie par là. Mais tu n'essaies pas de te faire briller au soleil en essayant de noircir les autres. Ça, je suis désolée. La dernière fois, moi, j'étais sur l'un de ses lives. Elle est en train de critiquer Emmanuel, de parler de Emma Loès. Emma Loès, ça, vous l'avez vu, elle est descendue dans le truc. Bon, vous parlez, vous dites Emma Loès, elle fait ci. Emmanuel Keïta, elle fait ci. Bon, série d'Ocas qu'elle a là, vous l'avez déjà vu un jour sorti pour parler. Non. Mais malgré ça encore, elle trouve le moyen de venir critiquer série d'Ocas. Pourquoi on va parler? Mais dans tout ce qu'elle est en train de faire, elle reste une femme gentille. Hein. Selon toi, elle reste une femme gentille. Simplement parce qu'elle en boit de nuit.
et qu'elle a salué Emma Loès, et d'après elle, Emma Loès a salué les gens et t'a pas salué. La salutation, moi, je suis pas obligée de saluer quelqu'un. C'est pas parce que j'ai pas salué quelqu'un que ça fait quelque chose de moins quelqu'un de mauvais, non. On va tout reprocher à Emmanuel, à Emma Loès, mais c'est quelqu'un, quand elle est avec toi, elle est avec toi. Quand elle n'est plus avec toi, elle n'est plus avec toi. L'ex d'Ulrich, là, c'était sa bonne petite. Donc, c'est logique qu'elle peut pas faire d'affinité avec ma bio. Mais ma bio, c'est levé la fin direct. Vous dites, elle a vu Emma Loès à la maison B. Emma Loès s'est foutue dès qu'elle se faisait genre les stars. Qu'elle-même, elle s'est levée pour pouvoir faire que jeu d'épaule, elle faisait tout ça là. Elle a parlé de ça. Mais est-ce que la femme est sortie pour parler? Toi, ça, Serge, lui, toi, tu trouves que c'est quelque chose de tellement normal. Et quand les fans vont se lever, parce que les stars ne vont pas descendre dans la boue. Ça, on peut dire que c'est le travail des fans. La star ne va pas descendre dans la boue. Mais elle a Bonny derrière elle. Bonny la va sortir pour répondre. Bon, Bonny la va sortir pour répondre là. Ils vont lui dire aussi ce qu'ils vont lui dire. Ça va rentrer dans son oreille et puis ça lui fait mal là. C'est ça qu'ils vont lui dire. Donc si on dit elle a mauve dans son nez. Si tu sais que tu es correct là et puis tu es blanche comme neige là, tu te lèves et puis tu parles. Quand tu es un bave super développé là, tu fermes ta bouche. Se concentrer sur ces trucs, vont sauter un peu, faites ce petit truc de comédie là, ça va prendre. Mais restons le besoin de critiquer pour parler. Ça vous a laissé un message, il dit qu'il vous demande pardon. Moi, je ne peux pas parler avec lui en fait. C'est lui qui dit ma bio est gentille. Mais elle est gentille, elle doit critiquer les autres. Il vous demande pardon, il vous demande merci. Non, il est garçon, puis il est rentré dans le beret des femmes, il n'a qu'à assumer. En pays, j'ai l'impression qu'il n'assume pas trop. Il n'a qu'à assumer. Quelqu'un qui est tout le temps en train de critiquer les autres pour pouvoir se faire du tout. Quand elle regarde, que ce soit Emmanuel Keïta, c'est ça, Emma Loès, que ce soit Seri Dorcas, là, il y a sa camarade dedans. Même les Sacha et Sam, là, elle n'arrive pas encore. Il y a sa camarade dans les trois, là. Faut respecter les devancières quand même. Il faut commencer d'abord à essayer d'atteindre le niveau de Kamen Sama avant d'atteindre les trois femmes là. Parce qu'à l'international, là, elles sont le visage de la Côte d'Ivoire. Et toi, une fille qui s'est fait des abonnés il y a un an, tu as venu faire des abonnés. Le bibi du bébé. Vas-y, ma chérie, vas-y, Miss Cotty. Elle va à peine moins un an comme ça, elle va venir, elle va se bien. C'est pas parce qu'elle a eu quelques abonnés, elle va venir, elle va se truc. Elle parle de Emmanuel Keïta. Moi, je le dis, le monsieur a pensé que c'est parce que les femmes sont écalantes. Moi, je ne suis pas écalante. Je le dis matin, midi et soir, je ne suis pas écalante. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Vous dites la femme a reporté. Toi-même, il y a une petite qui a compté ses 2 millions à t'a donné pour pouvoir faire publicité. Tu as bouffé. On parle de ça? On parle de ça? Toi, tu as élevé 2 millions seulement, tu as commencé à trembler, tu as bouffé. C'est toi qui n'es pas professionnel. Parce que la femme, elle a reporté sa chose, elle n'a pas annulé. Elle n'a pas annulé. Elle dit, je vais faire quelque chose. Il y a des grandes cérémonies ici. Même souvent, grand Miss Côte d'Ivoire, nous tous, on a fait un jour, ils ont annulé, ils ont décalé la date. Grand Miss Côte d'Ivoire, un jour, ils ont décalé la date à cause de COVID-19. C'est pour dire, le temps, là, ça ne nous appartient pas. L'homme propose, Dieu dispose. Si elle fait une conférence, et puis il y a des personnes qui soient, ils doivent faire quelque chose attends, de plus important attends, que Miss Totti. Miss Totti, il faut bien regarder le sujet. Les 2 millions, là, ça parle de ma bio, c'est ça? Ça parle de Mabio. Voilà. Une fille vend pommade. Elle lui a donné 2 millions pour pouvoir faire sa publicité. Il y a moins de 3 mois de cela. Et Mabio a volé. Elle a bouffé l'argent. Elle n'a pas fait publicité de la fille. Donc la fille s'est mise sur le Mabio. Et malheureusement pour la fille, elle ne connaît pas le droit. Normalement, quand tu dois porter plainte pour une personne, tu n'affiches pas la personne sur les réseaux. Tu te lèves doucement, tu dois porter plainte contre la personne. Mais son erreur a été qu'elle a parlé de Mabio à la télé, sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, elle a mis son image devant tout le monde. Donc, Mabio a utilisé ça pour aller à la police. Et 2 millions l'est sorti, 20 ans. On ne parle pas de ça. La seule erreur de la fille, c'est qu'elle ne connaissait pas ses droits. Elle a eu mal. Elle a voulu extérioriser son mal. Elle a parlé. Mais toi qui prends l'argent des gens, et puis tu mets dans tes fesses, et puis tu t'assois dessus, toi, tu ne parles pas de ça. Mais c'est une femme qui a reporté son truc. Tu dis tu ne l'aimes pas, mais tellement même tu as accro à elle, tu sais qu'elle avait séminaire à reporter. Tu ne l'aimes pas et puis tu as joué sur son actualité comme ça. Un moment, on n'a qu'à arrêter. Voilà pourquoi j'aime les blancs. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu fais quoi sur sa page? Mais tu es à l'heure sur toutes ses actualités, mais tu ne l'aimes pas. C'est ce genre de personne-là qui envoie par là entre les stars. Là, parce qu'il va prendre ici, il va envoyer là-bas, il va prendre ici, il va envoyer là-bas. Puis au milieu, lui, c'est craint un nom. Arrive un moment, on n'a qu'à arrêter. Parce qu'à force de trop fouiller dans la vie des autres, pour tout entrer et passer d'ici, on se réveille, tu as vieilli, tes seins sont arrivés sur tes genoux.
Après, si on dit elle a mauve, ils vont dire faut pas on dit elle a mauve. Eh ben, elle a mauve. Ce qui coule dans ses narines, c'est quoi? C'est du sang. C'est mauve. J'ai fini. Ok, merci. Merci, Miss Toti. On va donner la parole à Rosie. Rosie de... Bonsoir. Bonsoir. Vas-y, oui. Vas-y. Oui, en fait, la fille a tellement bien parlé que je ne sais pas vraiment quoi rajouter, mais je vais quand même rajouter quelque chose. Ma bio est critique, c'est dévancière. Mais elle-même, elle a dit qu'elle était influenceuse, non? Quand elles étaient sorties du primu de la dernière fois? Mon bébé Toti, je te fais un transfert tout à l'heure, merci, tu as glacé mon cœur. Quand elles étaient sorties du primu de la dernière fois, elle s'est vantée qu'elle était la meilleure influenceuse, patati patata, c'est elle qui a déjà fou là-bas, elle a parlé devant 15 000 personnes. Donc, de reprocher à ses sœurs, ses dévancières, j'allais dire, qu'elles doivent monter dans les jets privés. Quand elles vont monter dans les jets privés, là, c'est elle-même la langue pendue, ma bio, là, qui va encore s'asseoir pour critiquer. C'est elle-même qui va s'asseoir pour critiquer. Toi, tu dis que tu es fan de Emma Louès. Tu prends ses papos, tu donnes à une blogueuse pour qu'elle casse ses papos. Le coiffeur de personnel de Emma Louis était décédé. Elle n'a pas ramené les papos de soi-disant papos à une blogueuse que je ne vais pas citer pour qu'elle casse le papo. Hi, tu es où? Hein, oui, vas-y. Oui, vas-y. Attends, Rosie, on dirait que tu es en mode fantôme, hein. Il y a que ceux qui sont en haut qui arrivent à t'écouter, qui t'entendent. Est-ce que vous entendez en bas? Parce que ton micro est fermé. Est-ce que vous entendez Rosie? Ouh la lionne. Oui, vous entendez Rosie? Ah, Rosie. Moi, je l'entends en tout cas. Monte et puis descend, non. Il y a que nous qui sommes en haut. En tout cas, moi, je l'entends très bien. Oui, mais il faut qu'elle descende. Descend et puis remonte. Elle est en mode fantôme. Une menteuse comme ça, elle va venir se réveiller. Attendez, on va écouter une vidéo de ma bio. On va écouter une vidéo de ma bio. Mutez-vous, s'il vous plaît. Elle était en mode fantôme. Rosie, tu montes, tu descends, tu remontes. Ok, on va écouter une vidéo, Rosie, et puis tu vas continuer. Attendez. Si c'est chien. Je dis bonsoir. Si c'est chien. Puis c'est monsieur a baissé son niveau comme ça. Oui, à ses yeux. Monsieur a baissé son niveau. Lui a rapporté quelque chose, mais peut-être. Dans ma direct, j'ai dit quelque chose de mal. Et puis la star pense que peut-être j'ai mal parlé. Tout ça là-même, ce sont les Emma Love là-même qui sont mauvais. Les filles qui sont tout le temps en train de commenter en bas des trucs là-bas pour insulter les gens. Moi, ta fille vous cherche dans son manoir là-bas, on ne vous voit pas. Pourquoi vous êtes comme ça? Ou bien on vous a pas montré le coin. Vous ne connaissez pas avant. Appelez-nous, on va vous indiquer. Mais ça fait pitié, il y a grave de leçons à retenir de ça. Quand tu as parlé, on va dire que non, elle est jalouse. La fille, vous êtes jalouse d'elle et tout ça. Vous avez filmé il y a un peu longtemps. Moi, pour moi, elle est influenceuse. Mais elle dit que non, elle n'est pas influenceuse. Parce qu'elle veut toujours être un peu à part. De la mêler, elle veut être un peu dans son monde et tout ça. C'est propre à elle, c'est légitime. On ne peut pas lui en vouloir. Elle dit la première est influencée, elle n'est pas influencée, on ne va pas la forcer. On ne va pas la forcer. Mais quand elle veut trop faire aussi, comme si elle est trop actrice aussi, ça me fatigue un peu. Parce que moi, je me rappelle que j'ai plus vu Bleu Brigitte à la télé qu'Emma Louès. Emma Louès, je l'ai plus croisée en boîte qu'à la télé. En fait, tu vois, son dernier film, là, les Emma Love, ce grand fan là,
Dites-moi, dernier film d'Emma Lawrence, c'est sorti en quelle année? Métier. Tu m'appelles pour me dire que Emma Lawrence. Dis comment elle t'a dit que ça là, je ne peux pas faire parler de ça. Tu dis Emma Lawrence a tué le jeune là. Elle va manger à côté. Fais du. Oh, la qui. Il s'appelle comment? Guiro. Que Guiro travaillait chez Emma Lawrence. Seigneur Jésus. Emma Lawrence a tué Guiro. Marie, il faut parler de ça. Si tu ne parles pas de ça là. Si moi, il vient parler, moi, ma voix ne porte pas. Il dit que moi, il n'est pas preuve de ça. Il ne peut pas venir dire que Emma Lawrence a tué Guiro. Emma Lawrence a sacrifié Guiro. Que les parents de Guiro n'ont pas la voix pour parler. Emma, je dis bonsoir. Bon. Voici quelqu'un comme ça. Tu critiques la dame sur les réseaux. Vous voyez, en vrai, tu vas la saluer. Jean, ma vieille mère, je t'aime, je t'apprécie beaucoup. Elle fait 20 ans depuis là. Emma Lawrence, les influenceuses. Là, même Emmanuel Kenita, elle a dénigré. C'est Dorcas, non, j'ai pas encore entendu. Mais elle a quel problème avec. Vidéo là, il a reçu un appel, il n'a pas bien entendu. Tu dis quoi? Elle a quel problème? Attends, Rosy va terminer et puis je vais remettre pour toi. Rosy, vas-y, s'il te plaît. Vas-y. Rosy, demi-toi. Est-ce qu'elle est là d'abord? Parce qu'elle ne tarde pas. Une femme doit accepter la critique. Serge Tano. Tu cherches les problèmes. Hein. Bon, vas-y, Miss Toti, vas-y. Je remets la vidéo. Mais elle dit que non, elle n'est pas influenceuse. Je dis bonsoir. Hein? Si c'est chien. Qu'est-ce que monsieur a baissé son niveau comme ça? Oui, à ses yeux. Monsieur, 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 tout ça là même, ce sont les Emma Love là même qui sont mauvais. Même. Les filles qui sont tout le temps en train de commenter en bas des trucs là-bas pour insulter les gens. Moi, ta fille vous cherche dans son manoir là-bas, on ne vous voit pas. Pourquoi vous êtes comme ça? Ou bien on vous a pas montré le coin, vous ne connaissez pas là-bas. Appelez aux autres à vous indiquer, mais ça fait pitié, il y a grave, grave de leçons à retenir de ça. Quand tu as parlé, on va dire que non, elle est jalouse, la fille, vous êtes jalouse d'elle et tout ça. Vous avez filmé il y a un peu longtemps. Moi, pour moi, elle est influenceuse. Mais elle dit que non, elle n'est pas influenceuse. Parce qu'elle veut toujours être un peu à part de la mêlée. Elle veut être un peu dans son monde et tout ça. C'est propre à elle. C'est légitime. On ne peut pas lui en vouloir. Elle dit qu'elle est influenceuse. Elle n'est pas influenceuse. On ne va pas la forcer. On ne va pas la forcer. Mais quand elle veut trop faire aussi, comme si elle est trop actrice aussi, ça me fatigue un peu. Parce que moi, je me rappelle que j'ai plus vu Bleu Brigitte à la télé. Emma Lawrence. Emma Lawrence, je l'ai plus croisée en boîte qu'à la télé, en fait. Tu vois, non? Son dernier film, là, le Emma Love, c'est un grand fan, là. Dites-moi, dernier film d'Emma Lawrence, c'est sorti en quelle année? Métier. Tu m'appelles pour me dire que Emma Lawrence. Dis comment elle t'a dit que ça, là, je ne peux pas faire parler de ça. Tu dis Emma Lawrence a tué le jeune, là. Il s'appelle comment Guiro. Que Guiro travaillait chez Emma Lawrence. Seigneur Jésus. Emma Lawrence a tué Guiro. Marie, il faut parler de ça. Si tu ne parles pas de ça là. Si moi, il vient parler, moi, ma voix ne porte pas. Il dit que moi, il n'est pas preuve de ça. Il ne peut pas venir dire que Emma Lawrence a tué Guiro. Emma Lawrence a sacrifié Guiro. Que les parents de Guiro n'ont pas la voix pour parler. Je dis bonsoir. Si c'est chiant. Ok, Rosy, tu es prête? Faut dire, est-ce que ça là, il a entendu? Serge dit qu'il fera un live ce soir. Voilà, il fera un live. Parce qu'il est en train de dire ma bio, ma personne. Ce qu'il veut dire, c'est qu'elle est en train de faire d'accord avec. Il n'est pas mieux qu'elle alors. Il fera un live ce soir contre les ennemis de ma bio. Voilà, ma bio demeure sa personne. Maintenant, son live là, moi, il y a m'abonné à lui et puis il y a un temps. Merci, Merci, mais il y a le bien. Merci, Tu es prête, Rosy? Vas-y, vas-y, Rosy. Oui, non, je vais aller arriver à la maison, je vais remonter après. Mais je te dis merci parce que tu as mis le voice que j'ai pas voulu citer le nom de Aya, mais que Aya a dit, c'est que elle est venue rapporter par rapport à Emma et ça c'est pas bien déjà. Ce que tu avais dit effectivement c'est vrai. Voilà. Donc à partir de là déjà, moi-même si c'est moi Emma, je te parle plus, je lui parle plus. Voilà. TikTok là. Voilà, donc c'est ça. Donc je vais rentrer dans 30 minutes, après je vais monter. Merci. Donc, déjà, moi, pour moi, ça sert à rien même qu'on lui donne de l'importance parce que c'est une vipère. Elle n'assume même pas. Attends, nous, toi, tu attends, pardon. Ici, on ne coupe pas la parole. Pardonnez. C'est parce que j'ai changé mon nom. Hein. C'est parce que j'ai changé mon nom. C'est influenceur 2.0. On ne coupe pas la parole. Si vous voulez la parole, vous demandez une motion. Je vais vous l'accorder, s'il vous plaît. Hein, pardonnez.
Donc, Mathus, je remonte dans une heure de temps. Ok, il n'y a pas de problème. Oui, vas-y, madame, vas-y. En fait, je ne vois pas que Emma, sur ce point-là, Emma savait, parce que les mêmes filles qui marchent avec Mabio, c'était aussi les petits des Emma Louest. Donc, Abidjan, là, des groupes, là, les jeunes filles, là, elles tous, ils se parlent. Il y a des choses qui se disent. Donc, même avant même que Mabio pas croisé, parce que Mabio, là, même, là, avant déjà, c'est une pacpato, c'est deux pays en guerre. C'est une personne même qui dit ici, qui même, qui a déjà mis les jeunes filles même déjà en parlable. Donc, on la connaît, c'est-à-dire que Emma Louest connaît très bien Mabio, c'est-à-dire qu'avant que même Mabio soit sur les réseaux là, qu'elle soit Mabio aujourd'hui, Emma Louest la connaît. Donc elle sait déjà ce que Mabio disait derrière elle. Donc Emma n'a pas fait exprès de voir Mabio puis ne pas la saluer, d'accord. Donc je pense que elle-même là, c'est parce que elle est finie de critiquer les gens, elle finit de bien les briser et puis elle veut faire amitié avec eux, amitié hypocrisie. Donc pourtant Emma aussi n'est pas dedans. Soit elle est avec toi, soit elle n'est pas avec toi. Donc voilà. Merci. Mais elle n'a pas son nom. Il est parlé. Je sais qu'elle. Oui, Elisa, attends ma chérie. Je sais qu'elle avait. Oui, d'accord. Emmanuel Keïta. Ce n'est pas la première fois. Hein. Ce n'est pas la première fois de critiquer une influenceuse. Elle avait même fait une vidéo où elle en fait des trucs à Eka. Je me souviens bien dans le temps. Ok. La grande lettre, vas-y, ma chérie. Ok, bonjour à tous. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end de Pâques. Oui, ça va. Voilà. Alors, moi, j'ai pris le live en cours, hein, mais je pense que c'est pour réagir par rapport à la sortie de Mabio sur Facebook, n'est-ce pas? C'est pour ça, non, n'est-ce pas? Pour oui, que oui, je sortie bien. Sur Facebook, là, oui. Voilà, parce que ça, j'ai suivi sa sortie. Mmh. Voilà. En fait, moi, je voudrais avoir un autre avis. Voilà, parce que moi, je suis pas Emma Love, je suis pas Calante, mais je suis pas aussi contre Mabio aussi non plus. Mais moi, la manière dont je vois ça de deux manières. La première manière, je vois ça comme un buzz. Voilà, parce que à la base, c'est une commerçante, donc je pense que elle a voulu un peu titiller, piquer les plus grandes influenceuses de Côte d'Ivoire pour attirer un peu l'attention sur elle. Et puis voilà, parce que avant tout, c'est une commerçante. Et c'est ce qui l'a fait vivre. Voilà, vendre ses produits. Est-ce que c'est la bonne manière? Bon, ça a questionné, hein. Est-ce que c'est vraiment la bonne manière? Mais en tout cas, c'est sa manière de faire le buzz pour attirer l'attention sur sa personne et peut-être rediriger ça aussi sur ses produits qu'elle vend. Voilà, parce qu'il faudrait que elle ait des buzz à chaque fois pour entretenir, voilà, ça, ses fans ou bien ses potentiels clients. Donc moi, je vois ça de ce côté-là. Maintenant, il y a un autre côté aussi. Je pense que dans certaines remarques qu'elle a fait, peut-être qu'elle a pas bien formulé ça, mais elle aurait pu, en fait, ce qu'elle voulait dire, c'était aussi se comparer un peu aux anglophones. Parce que faut dire que les influenceuses anglophones, c'est carrément un autre level. Franchement dit, ça n'a rien à voir avec nous les francophones et tout et tout et tout. Donc elle a voulu aussi peut-être aussi attirer l'attention des influenceuses. Peut-être que c'était pas forcément de la bonne manière, mais elle a voulu attirer ce côté-là aussi. Voilà, montrer que les anglophones là, ils ont tel level. Voilà, c'est pas mauvais en soi. Mais bon, dans tout ça en gros, je pense que ce n'est qu'un buzz. C'est un buzz pour attirer les gens et faire peut-être une promotion sur ces produits bio détox. Voilà, on est au mois d'avril, c'est vrai qu'au niveau des ventes, c'est pas forcément super. Voilà, les gens ont dépensé pour la Pâque et tout, il y a pas eu peut-être de grandes sorties, donc peut-être il a fallu un buzz pour attirer voilà, un buzz pour attirer les gens pour que les produits sortent. Voilà, moi je pense que c'est ça. Est-ce que les buzz augmentent la clientèle? Oui. Le buzz, moi, c'est ce que je vois. Hein. Est-ce que ça a été un truc, comment on appelle ça? Moi, je pense que oui. Parce que quand elle fait, par exemple, je vais vous dire, elle a fait de buzz. Après, elle va faire certainement un live. Et vous allez voir que dans ce live, ça va attirer beaucoup de personnes. Elle peut faire 3000, 4000 personnes. Hein, et les gens vont vouloir voir ou entendre ce qu'elle va dire. Et durant ce live-là, bonjour tout le monde. Elle va proposer, bonjour, elle va proposer ses produits. Elle va proposer ses produits. Donc moi je pense que effectivement les buzz, enfin c'est pas tous les buzz, hein, mais je pense que le buzz qu'elle est en train de créer, parce que c'est quand même deux grandes influenceuses, c'est les plus grandes influenceuses de la Côte d'Ivoire, hein, EK, Emma, voilà. Donc je pense que c'est pour attirer les gens. Elle va faire un live et elle va peut-être proposer une promotion de bio détox. Je pense que c'est ça.
Moi, c'est ça le vrai point. Deux secondes. D'accord, madame. Ibrahim a demandé une motion. Vas-y. Deux secondes, je descends. Mm-hmm. Une vraie influenceuse n'a pas besoin de buzz, madame. Une vraie influenceuse n'a pas besoin de venir faire les choses négatives pour pouvoir être une influenceuse. Mm-hmm. C'est ça que je suis monté pour te dire ça. Si tu sais que tu es une vraie influenceuse. Non, Ibrahima, ce que je veux te dire, moi, je ne sais pas si c'est une vraie ou bien c'est une bonne influenceuse. Moi, j'essaie en fait, juste de donner mon avis à moi. C'est une personne qui est toujours en train de faire les choses en bas d'abord, jusqu'à ça a débordé. Maintenant, elle place sa caméra. Elle parle. Sinon, si tu écoutes vocal là, avant qu'elle commence à venir dire que Emmanuel, c'est comme ça, l'autre est comme ça. Mm-hmm. Elle contactait les gens en bas. Tu as écouté ce que l'influenceuse a joué tout à l'heure là. Comme elle a vu maintenant qu'elle a la haine, elle a vu maintenant que personne ne va parler sa porte-parole là. Elle-même, elle place sa caméra, ce qui est dans son cœur depuis en bas, et puis elle-même, elle sort sa MP. Mm-hmm. Tu comprends? Je ne veux pas amener le nom de ma princesse dedans, mais tu as écouté les vocales. Une vraie influenceuse, une vraie blogueuse, un influenceur, tu n'as pas besoin de faire buzz. Et regarde, toi, tu es dans le... comment elle s'appelle, ces panels-là? Est-ce que l'influenceuse même, elle a besoin de buzz pour qu'on vienne regarder elle? Non? Elle ne sort pas pour clasher Aya, ou bien clasher Serge, ou bien clasher un autre panel, ou bien Roro. Mais elle vient faire son béret, on vient l'y écouter. Une vraie influenceuse n'a pas besoin de buzz négatif pour pouvoir tirer l'intention vers toi. C'est de la méchanceté. Emmanuel ne fait pas buzz. Mais Ibrahima, regarde, là, je vais te donner un exemple. Depuis que j'ai changé mon nom, j'ai mis 18 avril là. Ça a baissé ma visibilité. Il fallait que c'est... Bien sûr. Titiller là. Bien sûr. Moi-même, je ne savais pas que c'est toi-même. Franchement, moi, ça m'a mélangé. Quand tu as parlé, que moi, j'ai su que c'est ton... Quand tu as parlé, moi, j'ai su que c'est ton live. Si personne ne sait que c'est moi, ça m'énerve. Toi-même, tu as voulu faire la promo de ton anniversaire, toi-même, ça se retourne contre toi maintenant. J'ai dit, attends, c'est quelqu'un qui m'a dit, du boss, mais tu as changé ton nom, les gens ne savent pas que c'est toi. C'est, on ne sait pas, mais je ne sais pas. Bah, quand tu as parlé, que j'ai su que c'est toi. Le dimanche. Merci Claire, merci Corinne. Je peux modifier ça le dimanche, c'est dommage, franchement, désolé. Hein. Donc, il va pas continuer. Voilà, quand tu as une influenceur, regarde Emma Lewis, elle met ses posts, elle n'a jamais répondu à quelqu'un. Ce n'est pas pour la défendre. Elle fait ses buzz seulement avec ses publicités. C'est tout. Et puis, on vient lui regarder. C'est tout. Tu vois, quand tu es sûr de toi, tu es vraie influenceuse, tu n'as pas besoin. Elle n'a qu'à arrêter ça. De venir avec le buzz négatif pour jeter les gens dans les verdicts populaires et puis pour pouvoir vendre tes choses. Tu n'as pas une vraie influenceuse, tu es repéro comme nous encore. Il faut te mettre dans ta place de repéro. Ou bien... C'est ça que moi je voulais dire. Je vais vous laisser. À tout à l'heure, j'arrive. Ok, merci Brahima. Voilà. Donc moi, c'est en gros, c'est ce que moi je voulais dire. Moi, c'était mon ressenti sur la chose. C'est ce que moi je vois ça comme un buzz. Est-ce que c'est un bon buzz ou c'est un bad buzz? Bon, chacun apprécie ça comme il le veut, hein. Voilà, parce que voilà, elle aurait pu trouver une autre manière, mais moi, pour moi, c'est un buzz. Voilà, elle cherche à attirer l'attention vers elle, parce que avant tout, c'est il faut qu'elle fasse marcher sa marque Biodetox. Et faut dire la vérité, avant, elle n'était pas influenceuse. Avant, elle payait, elle faisait des partenariats avec des influenceuses pour promouvoir sa marque. Mais lorsque elle a fait le clash avec Aya et tout, ça lui a donné une certaine visibilité. Et depuis ce jour-là, elle a pris maintenant le titre d'influenceuse. Donc maintenant, il faut maintenant qu'elle fasse certains buzz pour pouvoir attirer l'attention vis-à-vis d'elle. Maintenant, le côté où elle s'est plainte, elle s'est plainte du fait que, excusez-moi mon français, elle s'est plainte d'un faux français, elle s'est plainte du fait que elle soit allée en boîte et que Emmanuel ne l'a pas saluée. Moi, je trouve que c'est un peu ridicule. Voilà, désolé de le dire, parce que bon, tu finis de critiquer quelqu'un sur les réseaux et après tu la vois dans un lieu public et tu réclames à ce qu'elle te salue. Franchement, ça n'a pas de sens, quoi. Voilà, si tu parles sur quelqu'un, moi tu parles sur moi, je vais te voir dehors, j'ai pas besoin de te saluer, franchement. Donc quand tu dis des choses, il faut assumer aussi. Donc si tu croises cette dernière, que ce soit peut-être EK ou même un autre jour Emma encore, faudrait pas qu'elle s'attende à ce qu'elle la salue ou bien qu'elle l'accueille avec des accolades, voilà. Donc je pense que ça, sur ce côté-là, chacun a le droit de dire ce qu'il veut,
Mais il faut assumer. Quand tu vas dehors, tu vas pas revenir après sur les réseaux sociaux pour te plaindre que la personne ne m'a pas salué, la personne m'a ignoré. Bah, t'as parlé sur moi. Tu veux que je te dise quoi? J'ai rien à te dire. J'ai rien à te dire. Donc bon, ça aussi c'est ce côté-là. Mais moi, pour moi, comme je dis, je le répète, c'est un buzz. C'est pas forcément un bon buzz, mais c'est un buzz et c'est pour vendre ses produits. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Voilà, je pense que c'est pas forcément une attaque personnelle en tant que telle. Et voilà, c'est les deux plus grandes influenceuses hein, de Côte d'Ivoire et même en Afrique de l'Ouest. Hein. Voilà. Donc c'est normal quand elle parle d'elle, ça fait vendre. Voilà, beaucoup de gens taclent EK tous les jours pour avoir des vues et voilà, même Emma l'Ouest aussi pour avoir des vues. Donc elle aussi étant une nouvelle influenceuse. Eh ben, elle s'essaye aussi à ça pour attirer les yeux sur sa marque et puis faire des ventes, faire du chiffre. Voilà, influenceuse, c'était mon petit mot. Merci beaucoup, la grande Letty. Merci, demeure, Jésus-Christ. Merci, ma chérie, ma debout. Merci infiniment. Elisa, ton avis sur le sujet? Ma bio qui critique les influenceuses, Eka, Emma et Dorcas. D'accord. Moi, mon avis, tout ce qui est petit à Ange Faro de commencer. C'est que les trois là n'ont pas pu faire là. Que Dieu te donne la force, tu vas faire et puis on va voir. Parce que vous, une fois qu'on commence à vous connaître là, vous voulez vous comparer à les anciens. Les deux femmes là ou les trois femmes là, les parcours là, tu n'as pas ça. Même si nous les Ivoiriens là, on ne reconnaît pas les efforts des femmes là, on n'a qu'à les respecter. D'autres pays là, il m'irait avoir des femmes comme ça. Mais nous, là, on n'apprécie jamais ce qu'on a. Vous ne trouvez pas qu'on en fait trop sur les filles, là. C'est enfant des gens. Elles sont fatiguées de subir tous les jours. Elles font bien, vous ne parlez pas. Hein. Mais petit heureux, là, vous êtes sur les vies. Ce sont des êtres humains comme nous. Ce qu'eux font, là, est-ce que nous, on peut faire mieux? Vous vous posez la question, quel est l'état d'esprit qu'elles ont? Depuis des années, elles ont quel âge? Vous êtes sur les vies. Hein? On n'est pas star qui veut. Tu étais dans le noir, là, tu les enviais. Je suis sûr que tu fais parmi des gens qui envoient les papos sur la vie des gens, des femmes comme toi, pour casser matin, midi, soir. Comme ça ne te suffit pas là, maintenant tu veux t'afficher. Il dit, Dieu va vous étaler, vous tous. Vous êtes dans le noir. Vous enviez les filles là. C'est pour ça que vous êtes concentrés toujours en train de les critiquer. Maintenant tu as les places là. Comme tu dis, non, qu'à prendre un guette privé là. Tes petits contrats que tu fais là, tu vas monter dans un guette privé là. Et puis on va voir. Si tu peux te comparer, tu peux te mesurer à eux là. On va voir. 2 jours là, je ne sais pas qui en train de te monter pour que tu viennes t'en prendre à les filles là, non. Mais nous, les calendaires, là, faut pas jouer avec nous. Sinon, là, tu vas pas boiter, là, tu vas maigrir avant t'es là. Parce que nous, on est fatigués. On est fatigués. Maintenant, toi, tu viens, on t'allume. Et puis, ça chauffe pas. Donc, je te préviens. Emma Louette t'a pas salué, là, c'est forcé. Tu es qui même devant elle, mais puis elle va te saluer. C'est obligé de te saluer. Parce qu'on t'a pas salué, là, regarde comment tu es devenue folle. Ça, c'est petit. J'espère que le juillet te voit en voiture. Elle va prendre poussière là-même pour bien mettre sur toi. Comme ça, on va te déposer au Cameroun direct. Il y a quoi? Toujours les filles, là, vous êtes sur les vies. Tellement que vous êtes jaloux jusqu'à... On ne peut pas respirer. Hein? Au Cameroun, maintenant, aujourd'hui, là... C'est dit. Maintenant, là, on va t'appeler Ange Faro de Koumans. Il faut laisser les filles, là, tranquilles. Elles sont fatiguées. Maintenant, là, elles sont cachées, elles vivent leur vie. C'est qu'elles n'ont pas pu faire la fête, vous, maintenant, on va voir. Elles vous ont laissé le trône, là. Mais prenez maintenant, laissez-les en paix. À cause de vous, les autres pays, là, ne les respectent pas. Hein? Au lieu de les protéger, là, on est toujours sur leur vie, on est tout en train de critiquer. Il y a quoi? On est fatigué, là. Laissez-nous, on va juste de nos stars, là. Vous ne voyez pas comment elles sont belles? Hein? Oh, vraiment, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, je suis content de te parler, Serge. Il faut laisser et qu'en paix. Soit tu parles bien d'elle. Avec le respect, soit tu fermes ton panel là. C'est tout. Donc, merci, ma soeur. Merci beaucoup, Elisa, fille de Dieu. Sois bénie. Merci, ma soeur. Il la lionne. Toi aussi, tu es la lionne, franchement.
En tout cas, Ange Faro de Koumassi. Ange Faro, mon compagnon. Non, non. Moi, je veux. Non, non, non. Seigneur. Non, mais franchement, les filles là sont fatiguées. Et quand j'ai vu la petite fille là, comment elle s'appelle là même là? Marie Bibi. Elle était assise sur la vie et m'a loué ça. Ça m'a fait mal. Jusqu'à dire qu'elle marche, on dirait mort vivant. J'ai dit, ah, comment on peut traiter quelqu'un comme ça? Tout cela, c'est nous. Nous, on a permis cette mauvaise-là d'insulter nos influenceuses. Vu qu'elle peut dire qu'Emma Louis est jalouse de, comment elle s'appelle, Coco Emilia. Tout cela, c'est pas nous. C'est nous, on a permis ça. Qu'aujourd'hui, tout le monde se lève pour insulter les filles. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. On n'a qu'à leur donner de l'importance. Elles font beaucoup. Mais on dit qu'elles ne font pas assez de rêves. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Elles ne font pas. Ouais, rêve là, c'est pas ça. On dit que moi, ma star vend rêve. Maintenant, on ne veut plus vendre rêve. Maintenant, achetez maintenant. Maintenant, on a déposé au Carrefour là. Allez-y, prends vous-même, vous allez vendre rêve là. Elle ne veut plus vendre. Vous dites que vous voulez réalité, non? Maintenant, tout est réalité. Chacun a son chemin. Et Emma Louis fait, comme on appelle là, son truc là, comme on appelle là même là. Tout des amoureux là. Hein? Eka aussi, elle est à la télévision, elle montre tous les stylistes. Chacun a son chemin. Maintenant, on vous a laissé maintenant, montrez-vous maintenant. Toi, c'est Aya Roubaix, mais pourquoi tu allais fabriquer celle-là même? C'est Aya Roubaix. Pourquoi tu allais soulever celle-là? Voilà ça, aujourd'hui, elle veut nous mordre ici. Elle veut se comparer. Hein? Quelle histoire, hein? Ange Faro de Koumassi. Faut pas venir sur un terrain glissant, hein? Parce que où tu arrives là, Emma Love là, ils vont te piquer. Nous, les Canadiens, nous, mais on va te manger. Donc là, il ne faut pas jouer avec nous. Alors là, nous sommes des blessés de guerre. On est fatigués. On a déposé notre treillis là. On ne veut plus changer les âmes. Donc si tu as joué là. Est-ce que parmi les influenceurs, il y a une qui soit son petit frère? Ouais, c'est bizarre. On dirait qu'elle est. Il était juste. Mais que mon frère Bété là va lui donner loup goumé, non? Pas avant que là va descendre. Oh, ma fille Smith, tu vas me tuer. Je toujours en train de fourner dans la vie des gens. Guette privée, ça, vous voyez quoi. Après, c'est vous-même qui allez dire qu'elle vend la drogue aussi. Ne sentez pas la tête directement au ciel. Guette privée, là, c'est quoi? Je te jure. On t'enterre dans les nuages. Ce n'est pas les asticots qui te mangent. N'importe quoi. Non, mais les hommes, ils sont bipolaires même. Si Emma Louis sort aujourd'hui là pour dire que ah, mes fans, cotisez ça pour me donner. Les mêmes là vont venir s'asseoir pour dire que tes parents n'ont pas à manger. Hein. Tu vas venir donner. Voilà, nous on dit on n'a qu'à faire blancherie là. Ils ont chargé pour dire que au lieu d'aller donner l'argent à nos parents, ça va donner à Star. Hein? Vous ne voulez pas qu'on aide nos stars. Nadia, mais vous voulez qu'on a qu'à se comparer. Nadia, la boulangerie à quel, hein? À quel niveau? La boulangerie, ça avance très bien. Ah, ça avance très bien. On vous attend pas. Il faut dites-nous, vous devez me donner. Ah, nous-mêmes, on sait. Oh. On sait. Puisqu'il y a Ouattara qui est espion. Ouattara, elle est espion. Elle est espion tout. Donc là, je sais qu'on nous. Aussi anglophone. Il y a des jus. Attendez. Juste anglophone. Oui. Ah, c'est 2 ans la cotisation. Ah, d'accord, ok. Parce que moi, j'allais vous demander le compte en décembre. J'ai dit, une star anglophone va dire qu'elle veut une boulangerie à sa fan, à sa team. On va voir tout à l'heure. Ah, c'est ça. Il y a un jus. Les fans se montrent. On l'a bloqué. Il y a un jus. Ce que je veux comprendre, c'est que. C'est la sorcellerie que l'on connaît. Hey, est-ce qu'elle te jure? Qui a dit ça? Elles ont quoi? Et qui t'a dit pour cotiser? Ah, c'est le pays à travailler. Il te jure. Et puis ils vont te décourager même. Ils vont dire, mais pourquoi vous allez donner ça? Hein? Vous avez vos parents, non? Pourquoi vous donnez ça? Rien un peu ce pour Emmanuel. Jusqu'à ça arrivait à la télévision, on a trop à parler de ça. On a eu des juges, des je sais pas quoi. C'est pas bien. Nous, on veut les encourager. Vous dites qu'il faut pas, on va les encourager. On veut insulter aussi. Vous dites qu'il faut pas, on va insulter. Donc, vous voulez quoi au juste? Hein? Vous dites qu'il faut pas, on va insulter. Faut pas, on va cotiser. Faut pas, on va payer bien. Juste quand d'autres même disent, on est là, on cherche l'argent, on va aller écouter. Vous quoi même que vous avez donné le sujet à Serge, il va aller parler, c'est son panel là-bas. Il a qu'à aller parler. C'est ça, il a qu'à aller dire. C'est pas grave, il a qu'à aller parler. Il a qu'à aller parler. Où les francophones, on n'a pas compris. On va là-bas. C'est que les on n'a pas compris. Et puis les anglophones sont derrière, devant nous là. On n'a pas encore compris le sens qu'il y a derrière le donner. Donner là, c'est un mot très fort.
La Bible dit, excusez-moi les chrétiens, parce que moi-même je suis chrétienne, je dis matin, midi, soir. Il dit ce qui nous bloque, nous les chrétiens, puis on dit les djoulons là, que nous on n'aime pas donner, mais on veut recevoir. C'est ça. Merci. Le musulman, c'est celui, il va s'arrêter, il va payer, il va payer l'air, il va donner un mendiant. Il sait la puissance qu'il y a derrière le donner. Mais, chrétien qu'on n'aime pas. Et nous, on est pareil que les francophones. Francophones, il veut que ce soit à lui, on donne, mais il n'aime pas donner. C'est ça. Anglophones, voilà. Regardez les Rihanna, les Kim Kardashian. Quand elles veulent faire les grands dons, là, elles disent, j'aimerais faire un don pour telle association. Voilà tel numéro, vous avez fait les dépôts. Vous pensez que Kim Kardashian a besoin de votre argent pour aller faire don? Elle peut s'élever pour aller faire don. Mais c'est pour que derrière chaque sourire qu'elle va apporter à cette association-là, que la bénédiction te revienne, même si tu as donné tes 6 francs. C'est ce qu'on recherche. Cette femme-là, elle va faire sa boulangerie demain. Chaque pain qu'elle va vendre à une personne qui va manger, c'est une bénédiction qui s'ajuste ta vie. Mais tu ne comprends pas. Merci. Mais Emma Loès, un jour le jour de son anniversaire, c'est elle bien. Faites mon dépôt, les gens parlent jusqu'en. Elle dit, si vous voulez dire qu'il m'en dit, faites dépôt. Elle a pris le numéro, les gens ont fait le dépôt. Ils ont fini de parler jusqu'en le jour de son anniversaire. La prière allait donner don à une association. Puis elle a dit, c'est voilà ça. Le musical de votre dépôt. C'est mais ça. Ces gens de personnes, vous pensez qu'ils auront la paix dans le cœur et puis vous, vos affaires vont pas se faire. Desserrer un peu les poches là, les poches où il y a les serpents dedans. Non mais aujourd'hui là, écoute pas ta parole. Et à son truc elle a fermé là. C'est pas là, c'est pas, c'est ça. C'est, si on suit ici, on la considérait réellement. Si on l'aimait vraiment, on voulait la soutenir, on voulait la voir de loin là. Est-ce qu'elle allait fermer son coin là? C'est pas ce que tout le monde attendait. Ils sont là, ils n'encouragent pas. Quand tu fais quelque chose, ils prient Dieu même que tu tombes. Ils prient Dieu que tu tombes. Il y a des jus, c'est pas bien. Nathalie Poa, un jour, il y a un monsieur qui lui a dit, tu ne trouves pas qu'avec tes trucs là, tu influences la jeunesse. C'est si tu veux t'influencer, tu veux t'influencer, ma chérie. Emmanuel, je dis toujours, je dis Emma Loès, je l'aime de tout mon cœur. Mais Emma Loès n'est pas blanche comme neige. Elle a ses qualités, elle a ses défauts. Comme toute personne, comme tout le monde. Quand tu aimes une personne, là, tu prends le positif de cette personne pour t'encourager. Le négatif, là, tu déposes. Exactement. Tu n'as pas besoin de ça. Mais les gens ont tendance, ceux qui sont bêtes de nature, ont tendance à tout ramasser puis mettre ensemble. On ne suit pas une star de manière négative. Miss Toti, Miss Toti. Mets ton papa là. Attends, Miss Toti. Si nous, les panélistes et les blogueurs, TikTokers et tout, si nous, on ne soulève pas les polémiques, on ne tape pas là où c'est fort là. Est-ce que vous avez venu regarder? Hein? Non, mais aujourd'hui, ce que tu as mis là, c'est bon. Tu vois un peu, non? Ce que tu as mis, c'est bon. Sur ton débat là, on est en train de parler comme des personnes intelligentes. Mais est-ce que si c'était Eka, est-ce que si c'était Eka qui avait fait ça, est-ce que vous allez dire la même chose? On allait lui dire qu'on n'a pas aimé. Aïe. Non, on va dire qu'on n'a pas aimé. Eka va jamais faire ça. La lionne, tu as su que tu allais dire ça. Je suis cette dame là. Non mais attends, même si c'est Eka qui a mis un poste comme ça, toi tu connais les écalandais. Ils vont lui dire, ah, mais ça, c'est pas bon. Moi, voilà. Une année, il y a eu Covid-19. Emma Love, je devais parler de son anniversaire. Moi, je suis Emma Love. Il a dit, il a mis sa photo puis ma star. Là, tu as déconné. Mais la fille, elle est sortie. Voilà. Elle n'a pas fait une photo pour présenter ses excuses. Nous, c'est là, ça. Tu peux parler à ta star. Faut pas confondre avec les le reste. Fans. Faut pas confondre les fans et puis les ennemis refoulés. C'est différent. Un vrai fan là, c'est lui qui veut voir sa star aller faire un parcours sans faute. Donc quand la personne déconne, c'est les mêmes fans là qui vont se relever pour dire ma star, la partie là, nous on n'avait pas bouche pour parler, payer Tchazaï. Ça, ce sont les vrais fans. Les vrais fans, c'est qui reconnaissent les torts. C'est eux qui reconnaissent les torts. Mais les ennemis refoulés qui sont à gauche, à droite, qui sont on les appelle les fanatiques papillons là, ils sont sur tous les réseaux à la fois pour prendre ici, pour voir. Le plus souvent, c'est ceux-là qui vont. Les stars vont faire des bêtises, ils vont jamais dire, ils vont les encourager. Bon, vous-même, on a quand ça s'en va réfléchir. Mine de rien, là, Emmanuel Keïta ne suit pas Emma Loès. Emma Loès ne suit pas Emmanuel Keïta. Moi, là, j'ai fait la remarque, surtout au moment où Emma Loès ne parlait pas. Avant, quand elle ne parlait pas Coco Emilia. C'est là, moi, je suis que ce sont les fans même qui mettent les femmes en parable. Les deux femmes ne se suivent pas. Les deux femmes ne se suivent pas. Comment est-ce l'autre fait pour savoir que l'autre a parlé d'elle? Ou bien comment l'autre fait pour savoir que l'autre a parlé d'elle? C'est parce que les femmes font capture d'ici pour envoyer là-bas. Faire capture d'ici pour envoyer là-bas. Puis ça envenime la chose.
Même quand Emmanuel Keïta était avec en petite discussion avec Yves Vidéo, là, c'est la même chose qui s'est passée. Bizarrement, ce jour-là, je suivais les deux comptes. Il y a des gens qui font capture de ce que Emmanuel Keïta écrit là-bas. Ils envoient à Yves Vidéo et ils font pareil. Et c'est en train d'envenimer les choses. Ils sont assis. Vous êtes sûr qu'un vrai fan, une vraie fan s'est levée, elle a dit Yves Vidéo, tu es une femme, une dame responsable. La femme est une dame responsable. Moi, personnellement, je ne suis pas écalante. Mais je te demande, il faut te calmer. Ce n'est pas joli à voir que les autres pays vous regardent en train de vous entre-déchirer. Ça, c'est la bouche d'une vraie fan. Mais quelqu'un qui essaie de trucs pour qu'on insulte sa star là, il n'est pas fan. Dès qu'on insulte ta star là, ton cœur brûle. Ah, ça c'est clair. Non, il supporte pas. Toujours, je faisais pas là. Eh, ma soeur, une fiancée, elle a dit, j'ai mes photos dès qu'elle dit pardon, pardon, faut pas. Seigneur, elle dit Nadia, elle n'aime pas qu'on parle des cadets. Il dit non, 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 je veux pas. Ma foi, on est toutes des Ivoiriennes. Franchement, tu prends l'amour entre nous. Serge Tano, et l'influenceuse, il faut donner des conseils à ton frère panéliste Serge Tano. On ne fait pas ça, ce n'est pas bon. Dans la vie, là, on ne sait jamais. On ne sait jamais, on a des enfants. Il y a des trucs que tu ne peux pas dire. Comme toi, influenceuse, un panéliste dépose ta photo, puis regarde comment les gens sont en train de te rabaisser, te insulter. Non, quand même, c'est terrible, ça. De 31 décembre, 1er janvier, maman. On peut faire ça à un être humain. Aïe, vous aussi. Maman, je te jure. C'est méchant. C'est la même chose que Makoso faisait. Il insultait l'enfant des gens. Oh, Dieu, il ne savait pas que sa fille allait devenir célèbre. La dernière fois, il s'est calmé, je crois. Un panel de Béninois où on insultait Kimi et qui Makoso. Mais Makoso est devenu fou. Il est devenu fou. J'ai dit, le monsieur, là, j'ai commencé à le détester. Depuis le jour où il est sorti, Sarah Messon, puis il allait s'asseoir sur un plateau télé pour dire. Il était là, il n'avait aucune go. Et puis, il a vu une petite biche, un petit gilet qui passait. Et puis, il a tué. Je te jure que j'ai eu le dégoût pour ce monsieur-là. C'est un fou. Parce qu'une femme, quand une fois enlevé son caleçon, tu ne peux pas parler d'elle comme ça, surtout en public. Voilà, tu vas voir Peter quelque chose là. Je ne l'ai pas aimé. Je ne suis pas écalant, mais quand il a ouvert sa gorge pour parler des cas là, il n'est pas aimé. Une femme, quand une fois déshabillée, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour parler d'elle comme ça. Voilà, là, voilà. Mais ce qui me plaît, tout se paye. C'est qui me plaît là, et tout voilà, se paye un à un. Aïe. Soleil, elle insulte matin, midi, soir, ça te fait mal. Quand tu insultes en bas des femmes, des gens, ils vont insulter pour ta fille. Et puis, ils vont la faire à 205 francs aussi. Parce que tout ce qui savent dire, c'est insulte les putes. Putes là. Celles qui ne sont pas putes là, c'est elles qui ont connu le premier homme, puis elles ont terminé, elle, lui là. C'est elles qui ne sont pas putes. Non, nous, tous, là, on est dedans. On est dans la puterie comme ça. C'est clair. La puterie, il peut y avoir un million derrière elle, mais peut-être qu'elle a connu deux voix là. Elle est dans la puterie, peut-être même ils vont la nommer présidente de la puterie. C'est ça même. Franchement, moi les femmes là, elles me font, souvent elles me font des yeux, mais demain comment elles font pour supporter, parce que franchement, elles subissent trop. Oh. Demain là, quand elles vont commencer à monter dans l'enquête privée, toi ma bio, tu as dit qu'elles sont allées faire des amours, parce que tu ne serais pas satisfait. Malgré un peu qu'elles font la même là, vous les enviez. Vous trouvez que c'est pas ce qu'elles font là, oui? Parce que ce qu'elles font là, vous dites que c'est pas ça qui fait qu'elles gagnent l'argent. Maintenant, quand vont, chacun va avoir. Moi, mais je prie Dieu que. Et Kanaka voit son avion privé et Malouos aussi. Les deux là, même moi, je veux qu'ils se réconcilient. Parce que si les deux se réconcilient là, Abidjan va prendre feu. Les deux là, ils peuvent faire grande chose. Mais quand vous êtes des sorciers, vous êtes en bas. Si les deux se réconcilient là, comment nous on va travailler? Mais c'est pour ça. Parce que si les deux là, non mais quand je dis réconcilier là, t'imagines les deux vont faire un grand collaboration, ils vont signer un gros contrat ensemble comme ça là. Ils vont signer un gros contrat ensemble comme ça là. Non mais c'est mieux comme ça là, chacun va fermer. En tout cas, c'est ma prière. En tout cas, c'est ma prière. Parce que le corbeau noir qui est en bas là, ce corbeau qui est en bas qui ne veut pas que les deux là se réconcilient là. C'est qu'elle cherche là. J'espère que son cul serait dévoilé. Parce que si les deux là se sont réconciliés là, vous allez voir ce qu'elles vont faire. Grande chose même dans la Côte d'Ivoire là. Personne ne peut les comparer là, les deux là. Tu vois pas comment depuis là, ils n'arrivent pas où ils doivent arriver, mais ils vont arriver un peu. Dieu merci qu'à Abidjan maintenant, non. Les choses vont bien se passer. C'est bavardage inutile, elles sont en train de faire. La vie là, c'est une évolution par level. Façon côté, comment dirais-je? Quand on veut parler de développement, le Nigeria en avance sur nous, là, c'est normal que les influenceurs seront. Ils ont une longueur d'avance. Oui. Ils ont une parce qu'ils se mettent ensemble. Parce qu'ils se mettent ensemble, ma soeur.
Non, c'est parce qu'on ne comprend pas anglais, sinon là-bas aussi il y a clash. Il n'y a pas quelque part où ça brûle. Ah, c'est anglais, on ne comprend pas. C'est anglais, aussi. On ne comprend pas. Il n'y a pas quelque part où il n'y a pas clash. Même aux États-Unis, là-bas, il y a clash. Mais il faut bien remarquer, les pays francophones ont toujours été au-dessus des pays anglophones. Non, mais quand il y a organisation, là, tu les vois tous, ils sont ensemble. Mais chez nous, ici, là, est-ce que tu les vois ensemble? Dans quelle organisation? Tu as vu un événement. Non, est-ce que tu as vu un événement et puis tous, ils sont ensemble en train de sourire? Ils sont, mais là, ils sont un peu comme les coupés décalés qui se. Chacun dans son coin gonflé. Hein? Il faut qu'ils se dégonflent un peu et puis ils vont être ensemble. Quand tu dis ensemble, là, c'est trop dit. Faut dire c'est le peu que tu connais, que tu vois. Tu n'es pas au Nigeria. Voilà, mais au moins, ils nous montrent.